Monsieur, bonjour. Je vous interviewe aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Thinkerview. J'aurais voulu avoir votre avis sur le concept de cyberguerre, de cyberpaix. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je peux commencer là-dessus. Bien sûr. On s'est fait bassiner pendant des années avec ce concept de cyberguerre qui correspond à une forme de militarisation de l'Internet. Le déploiement d'infrastructures, on pense au joujou d'Amesis, à la Deep Packet Inspection, des dispositions législatives pour donner des pouvoirs offensifs en matière de cyberattaque, maintenant en France à l'ANSSI, et à des institutions dans le monde entier. C'est la commande publique qui part avec des contrats, je ne sais combien de zéros, pour les mêmes entreprises qui vendent des missiles et des chasseurs. Le problème, c'est quand on parle de cyberguerre, on parle d'Internet comme un champ de bataille, on parle de mouvement de troupes, on oublie juste un paramètre qui est le citoyen. Et pendant des années, on nous a vendu une vision de la sécurité, de la cybersécurité, qui s'appelait cyberguerre, dans laquelle on a juste oublié les citoyens. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, avec la révélation de Snowden, le programme Bull Run de la NSA, qui vise à saboter activement, une par une, toutes les technologies commerciales de protection de données de communication, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a tous un espion dans la poche. Est-ce que vous pouvez un petit peu me développer le programme Lustre ? Au-delà des différents programmes de la NSA, on constate l'échec des politiques de cybersécurité. La seule chose à laquelle ça a servi, c'est à des contrats d'un complexe militaro-industriel qu'il va falloir renommer, je ne sais pas, le complexe militaro-numétrique ou quelque chose comme ça, alors que personne n'a pensé à développer la cyberpaix. La cyberpaix, se baser sur la définition de la paix. La paix, c'est un état dans lequel on est libre de la peur de l'agression. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans l'environnement numérique, être libre de la peur de l'agression? Ça veut dire mettre le citoyen au cœur de la sécurité, ça veut dire mettre le citoyen au cœur de la technologie, ça veut dire rendre le contrôle de la technologie aux citoyens. Eh bien, on aspire à des politiques publiques qui penseraient en termes de cyberpaix plutôt qu'en termes de cyberguerre. Eric Filliol, est-ce que vous pouvez... Moi, je crains que ce concept de cyberguerre ne soit probablement que la plus grosse escroquerie intellectuelle de ces dernières années. Moi, je vais me placer sur le plan purement opérationnel. Je pense que la partie cyber, qui est une dimension supplémentaire à la fin du XXe siècle, comme l'a été l'aviation au début du XXe, ne jouera qu'un rôle marginal ou d'appui ou de préparation sur des conflits classiques. Il ne faut pas oublier que la guerre consiste à prendre la position de réalité bien matérielle, que ce soit des territoires, que ce soit des ressources, et que ce soit aussi des esprits. Et il ne faut pas oublier que la finalité de la guerre, c'est justement de prendre la main sur des réalités concrètes. Donc le cyber, à mon avis, restera marginal. Ça ne veut pas dire qu'il faut le relativiser ni le dédaigner. C'est une réalité qui s'impose à nous. Mais elle n'a pas l'ampleur qu'on veut bien lui prêter. Et je suis d'accord que c'est plus pour légitimer des dépenses pharaoniques dans le domaine. Mais je crois que surtout, plus qu'une cyberguerre, je crois qu'on est en train de mettre en place des cyberdictatures. Vous pouvez développer ? On s'aperçoit que le programme PRISM, mais PRISM existe, a eu des antécédents, on s'aperçoit qu'il y a quand même les principales démocraties ont tendance à se tourner en état policier numérique. Et moi, ce qui me gêne dans les évolutions récentes, c'est qu'on remplace la présomption d'innocence par la présomption de culpabilité. Quand on espionne toutes les personnes par défaut, pas seulement des communications téléphoniques parce que vous avez un contact avéré avec des terroristes corses ou des terroristes islamiques, quand on espionne en permanence, vos moindres faits et gestes, il faut savoir qu'avec l'Internet connecté, et notamment le CPL outdoor, c'est-à-dire que de l'extérieur, on peut savoir ce qui se passe dans votre maison, votre consommation électrique, et les outils mathématiques de traitement de l'information vont le permettre. Quand on espionne en permanence et de manière aussi intime les gens, c'est qu'on part du principe qu'ils sont par défaut coupables ou susceptibles de perpétuer des actes. On ne peut pas avoir un État fort, un État doit être fort, mais sans faire confiance aux citoyens, sans les laisser libres et sans les respecter. Et si on se méfie des citoyens, les citoyens se méfieront de l'État et on aura un État faible. Récemment, un cryptographe belge a annoncé que lui-même était piraté par la NSA, poutré dans le jargon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui me surprend, c'est que ça surprenne encore des gens. C'est logique.
En plus, ce cryptographe belge, il est connu pour avoir eu des activités mathématiques dans les domaines sensibles. C'est aussi quelqu'un qui, à une époque, n'a pas voulu aller dans le sens du contrôle de la cryptographie, notamment universitaire, par les milieux américains. Alors, tout simplement, c'est quelqu'un qui compte dans le domaine, qui a eu une production scientifique de tout premier plan, qui a d'ailleurs eu qui a été pillé à l'époque, puisqu'il faut savoir qu'il avait fait avec un autre cryptologue français, Guillou, le fameux protocole Guillou CubeSquatter, qui a été pillé par une entreprise américaine en violation directe des brevets, sauf que trois avocats français contre 50 avocats américains. La cause était vite entendue, donc c'est pas étonnant qu'il ait été espionné, mais encore une fois, ce qui m'étonne, c'est que ça étonne encore des gens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur la capacité que les gens eux-mêmes, le simple particulier, à se protéger de ce genre de pillage, d'infiltration dans son système ? Il y a deux choses distinctes, la surveillance ciblée et la surveillance de masse. J'espère que les prochaines révélations de Snowden nous montreront d'une part comment on peut passer de l'un à l'autre. Est-ce que le simple fait de ne pas utiliser Facebook, Google ou Apple ne vous met pas immédiatement dans la catégorie surveillance ciblée pour que vous utilisiez des logiciels libres ou Tor? Et là, ça fait de vous un potentiel terroriste. Mais il faut encore distinguer les deux. La surveillance ciblée, on le voit avec les dernières révélations sur les implants matériels et autres joujoux de la NSA, on savait déjà, on ne peut pas y échapper. Ça, c'est une réalité. La surveillance ciblée est légitime lorsqu'encadrée par l'autorité judiciaire, lorsqu'il y a un rétro-contrôle citoyen et démocratique des actions des services qui la pratiquent. Ce qui est véritablement intolérable, c'est la surveillance de masse. Comme le disait Eric Fiol, c'est la présomption de culpabilité, c'est des violations massives de nos libertés individuelles qui ne peuvent en aucun cas respecter le principe de proportionnalité. Or, cette surveillance de masse, a priori, on peut y échapper. Est-ce que vous allez dans le sens d'Eric Fiol sur la cyberdictature d'un gouvernement ou des gouvernements qui commencent à avoir peur de leurs propres concitoyens et qui commencent à monitorer l'ensemble de leur population? C'est manifeste. La doctrine de la NSA, c'est que l'ennemi se situant par définition dans le reste du monde, on va espionner le reste du monde, comme ça on aura, après coup, espionné nos ennemis. C'est une doctrine qui est une forme de paranoïa d'État. Et c'est évidemment un problème. Le fait est que l'on peut aujourd'hui probablement échapper à cette surveillance de masse. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est d'augmenter le coût de cette surveillance ou de tenter de la rendre inopérante par nos actions. À la différence des processus classiques dans lesquels on voyait intervenir le renseignement ou l'armée, où c'était souvent armée contre armée, État contre État, là, la vaste majorité des acteurs... c'est les citoyens. Et vous parlez de citoyens, vous sortez d'une conférence que vous avez menée à Sciences Po. Est-ce que vous avez trouvé les étudiants sensibles à ce type de nouvelles valeurs, ce type de menaces? Est-ce que vous pensez qu'ils étaient en retard par rapport à la perception que la communauté des hackers peut avoir sur la cybersécurité, sur les techniques de surveillance de masse et ce genre de choses? Est-ce que vous pensez que la nouvelle génération est prête à résister ou est prête à trouver les nouveaux outils pour pouvoir échapper à ce type de surveillance? Je ne sais pas si une heure avec une promo d'un master de Sciences Po est un échantillon représentatif. Une chose dont je suis sûr, c'est que sur les 10 jours qui viennent de s'écouler, il y a 5 personnes qui sont venues me voir en disant « Ah, mais tu sais quoi, j'ai quitté Facebook !» Et pour beaucoup, ils m'ont dit « C'est suite à une conversation qu'on avait eue ensemble. » Dans ces derniers mois, c'est des dizaines de journalistes que j'ai vu se mettre à OTR ou à JPG pour chiffrer leur communication. Et c'est 100% des journalistes à qui j'ai parlé de la protection de leurs sources qui m'ont répondu « Ah ouais, c'est vrai, là on a un problème. » Eric Fiol, Jérémy parle de chiffrement pour la protection des sources. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant qu'expert, avec votre qualité d'expertise de cryptographe? Est-ce que les journalistes sont à l'abri? Alors, il est sûr que d'abord, c'est mieux que de communiquer en clair. Ça complique les idées, ça complique les choses. Maintenant, il faut pas se voiler la face que la plupart des standards de chiffrement sont d'obédience américaine. Et que la subtilité américaine a été c'est la politique des œufs du panier. Ils n'ont pas placé toutes les vulnérabilités au même endroit. Moi, ce qui me gêne, c'est que l'ensemble de la planète utilise des algorithmes d'obédience américaine, et uniquement cela.
j'ai vu un constructeur que je ne nommerai pas, qui avait fait le choix de l'algorithme de chiffrement non américain, et qui, quand il a été racheté par une société américaine, a été obligé de mettre l'AES. Donc le problème, c'est qu'on laisse aux États-Unis le monopole de toute la standardisation. Moi, je conteste le fait que les Américains définissent le standard cryptologique mondial. Je pense qu'il y a de très bons cryptologues en France, il y en a partout en Europe. Pourquoi devrait-on sous-traiter notre sécurité et les standards de chiffrement aux Américains ? Est-ce que vous trouvez que c'est un renoncement de l'État français ? Pas que de l'État français, de l'ensemble des pays du G8 et du G20. Il est sûr qu'en France, c'est d'autant plus surprenant, pour ne pas dire scandaleux, quand on est d'une des nations prééminentes en matière de cryptologie. Donc on a l'École normale supérieure qui produit des cerveaux extrêmement brillants. Le problème, c'est que pour une place dans un comité de programme, dans des conférences américaines, sous contrôle de la NSA, malheureusement, ils font le jeu des États-Unis. Nous avons une capacité de réaction, nous avons une capacité de résistance, nous avons un génie français, il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas sous-traiter notre sécurité, en tout cas, on ne fera jamais de sécurité si on utilise les méthodes, les standards, les outils de l'adversaire. Jérémy Zimmermann. Vous voulez rebondir ? Je n'aime pas parler de souveraineté à proprement parler, parce que bon, le concept d'État-nation n'est pas ce qui me, est pas ce qui m'anime le plus ou me définit le plus. Mais là, il y a quelque chose de vraiment flagrant à voir la souveraineté d'un État tiers non seulement empiéter sur la souveraineté d'autres États, mais aussi sur la souveraineté des individus, sur nos souverainetés informationnelles. Donc là, il y a manifestement un espace pour des politiques publiques à tenter d'inverser cette vapeur-là. Et le seul moyen de faire ça, j'en suis convaincu, c'est de remettre la technologie aux mains des citoyens. Il faut que les citoyens comprennent l'importance de la vie privée pour comprendre l'intérêt de la cryptographie, pour comprendre comment gérer les clés de chiffrement, et pour éventuellement être en position de choisir leur logiciel de chiffrement ou choisir leur algorithme. Quand on génère une clé GPG, on peut choisir entre plusieurs algorithmes. Eh bien, j'ai l'impression qu'il est essentiel aujourd'hui d'élever le niveau de conscience des individus, d'une part, et de l'autre, qu'il faut des politiques publiques, des politiques industrielles, pour aller favoriser ces technologies qui ne sont pas aux mains de la NSA, qui reposent évidemment sur le logiciel libre, les architectures décentralisées et le chiffrement point à point. Le mot de la fin, Eric Filleul. Ce qui me fait peur, c'est que on a vu en 95 qu'on pouvait très vite basculer d'un gouvernement démocratique à un gouvernement non démocratique. Et quand on met en place des infrastructures, quand on met en place potentiellement, du moins, des outils de surveillance, je pense à Adobe, ça a l'air anodin, mais Adobe peut permettre à quelqu'un non seulement de savoir que vous téléchargez du contenu est potentiellement illégal, mais de savoir que vous vous intéressez à l'art africain, à l'art juif, ce qui est tout à fait légitime. Demain, c'est un risque qui est permanent, et j'étais surpris de voir que les étudiants Sciences Po n'étaient pas sensibilisés à ça. Ce risque, il est permanent. On peut très bien basculer vers un régime beaucoup moins démocratique, avec des valeurs nauséabondes. Et je crois que l'actualité récemment a montré que, encore une fois, qu'on n'en était pas si éloigné que ça. Ce qui me fait peur, c'est que tout ce que l'on met en place pourra être utilisé légitimement par justement ces gouvernements moins démocratiques s'ils venaient au pouvoir, et pourraient automatiser un génocide ou automatiser des arrestations en masse. Et c'est ça qui me fait peur. Tant qu'on est dans un État démocratique, je crois que je veux bien faire confiance à nos États. Eric Filleul, Jérémy Zimmermann, peut-être un dernier mot, oui. Tant que ces États restent démocratiques. Jérémy, un dernier mot. Bien sûr. Quand on parle de protection de la vie privée, on parle d'une liberté plus fondamentale que les autres parce qu'elle permet l'exercice des autres libertés. Et que cette vie privée, c'est avant tout nos intimités. Nos intimités, c'est un espace dans lequel on n'est pas jugé, dans lequel on partage la confiance et dans lequel on peut expérimenter, dans lequel on peut inventer de nouvelles idées, de nouveaux concepts, dans lequel on peut être nous-mêmes. Cette vie privée, cette intimité, c'est nos identités. C'est ce qui nous définit en tant qu'être humain. Et c'est ça qui est en jeu, je crois, au travers de cet impératif de reprendre le contrôle de la technologie. C'est reprendre le contrôle de la technologie pour reprendre le contrôle de nos humanités, ou au contraire, se laisser contrôler par la machine. Jérémy Zimmermann, merci. Eric Filleul, merci. L'analphabétisme aujourd'hui, c'est le code. Si vous ne savez pas coder, vous êtes un analphabète, au même titre qu'il y a plein d'analphabètes au XVIIIe siècle en France. Un analphabète. Vous êtes non analphabète, pardon, un analphabète. Vous n'avez pas codé, c'est à peu près aussi handicapant pour le monde qui arrive devant vous
que de ne pas savoir lire au XVIIIe siècle. Est-ce que l'économie américaine va continuer à une faible croissance? Je dirais que c'est probable et que leur principal handicap est la finance. On ne peut plus parler du poids de la parole diplomatique française au Moyen-Orient. Elle n'existe plus. C'est la parole américaine. Ils sont devenus des porte-parole de la parole américaine.